Bonjour, bon matin, bonsoir à tous et à tous, mesdames et messieurs, ou autres, je ne juge pas tant que vous laissez un like en dessous de cette vidéo. Je me présente, je suis votre compatriote Tom, aka l'homme qui pense encore que le Père Noël n'existe pas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur ce merveilleux jeu nommé Smash Bros. Comme vous pouvez le voir, je suis effectivement un pro player. Non, enfin, je déconne, je suis vraiment mauvais à ce jeu-là. Et c'est donc pour ça qu'on se retrouve ici, c'est pour s'entraîner un peu tout le monde ensemble. Mais tu sais, on va pas s'entraîner comme tous ces faibles qui vont en ligne et toutes ces choses. Non, non, non. Nous, on va s'entraîner à la vraie manière. On va faire ensemble un let's play du mode aventure. Et d'ailleurs, sans esprit. Donc, on va se partir une nouvelle game. En normal, parce qu'on n'est pas stupide non plus. Yeah.
Donc, nous y voilà, hein, comme vous avez vu, magnifique cinématique d'intro. J'espère que vous l'avez bien apprécié parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein, ils ont mis 15 milliards sur celle-là, puis après, ils ont fait, oups, on est à court de budget. C'est dommage. Donc, je vous propose de commencer. Et ce premier combat. Ah, excusez-moi, une cinématique. Alors, les esprits sont des êtres dont le corps a été volé par Claire. Comment il s'appelle déjà en anglais? Galim, si vous l'avez vu comme ça. Le maître de lumière. Ils sont désormais sous son contrôle, leur conscience piégée dans des copies de combattants. Lorsque vous battez la copie d'un combattant, vous libérez par la même occasion l'esprit qui était prisonnier. Essayez de secourir un maximum d'esprits. Alors nous, on va les secourir, on va pas les utiliser, parce qu'on n'est pas des travailleurs esclavagistes, attention. Les esprits primaires influents sur l'attaque et la défense pour renforcer vos combattants. C'est sur ceux qu'il faut miser. C'est sur eux qu'il faut miser. Je suis très bon en français. Donc, combattons pour commencer un Molosco fumant. Ennemi de Pikmin. Pikmin 2 ou 3, je pense. Pour l'instant, on a notre petite boule rose toute mignonne. Regardez-la, elle va tuer des gens, elle est contente. Oui! Permettez-moi de vous montrer, grâce à Kirby, une des techniques principales de tout ce combat. Voyez-vous? Il suffit de se mettre ici, attendre qu'il vienne. On peut même un teabag un peu. Hop! Viens ici. Viens ici. Viens ici. Hop. Et voilà. Ce que vous venez de voir, mes amis, ça s'appelle Stack and Cack. C'est la base de tout. Sans ça, on n'arrivera à rien. Donc, c'est la première stratégie qu'on va utiliser. Il est tellement cute quand il marche. Évoli. Seuls certains Pokémon peuvent sortir des Pokéballs. Des renforts arrivent durant le combat. Oh, facile. Sauf que là, il y a trois adversaires, donc il va falloir faire un petit peu plus attention à ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous trouvez le plus... Ah, Evoli. Non, méchant Evoli. Ah, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Ah. Non, mais reviens. Reviens. Non, 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 non. Il est trop tôt pour commencer à faire des fails. Ah! Bon, on a eu le bleu. On va se guetter le jaune. Attention, la boule rose a une épée. Je répète, la boule rose a une épée. Et elle a pas peur d'en utiliser. Voilà. Non, mais... Ah oui, non, c'est vrai, merde. Hop. Faut que je remette mon moveset. J'ai oublié qu'en fait, ce jeu est cave. Fait qu'il garde pas mon moveset à moi. Donc là, on va juste le tuer. Voilà. Bon. C'était pas gracieux. Mais ça fait l'affaire, hein. Les masques à chilico qui descendent du ciel transportent parfois... À quoi ça sert de mettre ça, sérieusement? Ça charge tellement vite, si tu te mets trois lignes, tu lis les trois premiers mots, le truc il décalisse. Donc on va juste changer de moveset, hein, parce que... Étant un pro player, je préfère jouer avec mon moveset qu'avec le moveset de base. Ou est-ce qu'il y a le tab jump demi, là, tu sais, faut appuyer sur roue, là, ça saute, là, puis là, ils disent, là, oui, mais c'est plus rapide, oui, mais tu fais de la map, là, tu meurs comme un cave. Holy moly! Ah! Meurs. Le coup de marteau. Il fait mal le coup de marteau. Hein? Oh oui, il fait mal le coup de marteau. Oh, que j'ai. Et on débloque un nouveau personnage. Donc on débloque Mario. Mario, donc notre plombier préféré à tous. C'est parce que je suis pas bon en animation. Fait que là, on va essayer de mettre ça avec le montage. Là. On va faire quelque chose de beau, de propre, de bien fait. Comme ça, j'aurai plein d'abonnés. Puis je vais pouvoir m'acheter des. Je vais pouvoir peut-être faire 1,50$. Puis aller m'acheter des petits suçons. Là. Ça va être super le fun. Puis ensuite, manger mon suçon. Enfin, j'ai travaillé 8 heures pour ce suçon. Ça va être délicieux. Waouh. Donc, oui, si on travaille donc contre Mario. Mario, qu'est-ce qu'il a? Mario, il a son forward aerial. Son forward aerial, qu'est-ce qu'il fait? Il cale sa terre à la vitesse de la lumière. Non, c'est pas la vitesse de la lumière, parce que la vitesse de la lumière, c'est pas mal plus vite que ça. Mais pareil, il fait mal. Donc, plombier! Plombier, sois gentil! Viens ici, plombier! Plombier, reviens. Non, pas de balle de feu, viens ici. Ah, le dernier qui passe pas. Ah. Eh, c'est pas vrai que je vais perdre au troisième combat, là. Mais non, j'ai vu sur Internet qu'une certaine forme d'humour, c'est de changer les noms des personnages que tu connais. Donc, voilà. Hein. Mais vous verrez peut-être pas tout ça, là. On fera du montage, tu sais, parce que... Oui, c'est du travail, YouTube. Hein. C'est du travail, vivre de sa passion. La passion du jeu vidéo et pas finir... Ow. Ça va quand même faire mal, sérieusement. Je sais que c'est à peu près de la guimauve comme texture, là, mais ow. Ow. 21%. Oh, la douleur. Regardez-le, il est triste. Oh. On va réessayer ça. Boulet de canon. This girl's on fire. Fire. Ow. Je vais te brûler avec mon fire.
Est-ce que tu connaissais le Fire? Maintenant, Drill sur Fire. Et ensuite, Drill sur Drill. Ah ouais. Meurs. Merci beaucoup. Trophée AD. C'est qui ça, Phosphora? Est-ce que ça existe une personne sur Terre qui connaît tous les esprits et puis ils peuvent te dire d'où est-ce qu'ils viennent? Il y a un combattant à chaque extrémité de l'intersection. Choisissez bien celui que vous voulez sauver en premier, car les autres seront bloqués par une main. Ouf, j'ai dû vous spoiler, excusez-moi, plot twist, hein, c'est le gros truc, oh mon dieu. Donc on a le choix entre Anime Guy, un habitant qui paye sûrement ses impôts, on voit comment il est gentil, et une travestie. Donc on va partir sur les travestis, hein, parce qu'on doit respecter toutes les sortes de personnes dans ce monde. Parce que franchement, je veux dire, c'est quand même pas pire, tu sais. Non, non. On va pas mettre ça au montage. Chèque grenade trou noir. Ça doit être quand même dangereux faire des trous noirs de cette grosseur là. Non, parce que je me demande, c'est quoi la grosseur minimale d'un trou noir pour être considéré comme un gros trou noir? Ah, tac. Oh, le Reed. Ah non. C'est quoi qu'elle lance? Des griffes de Wolverine ou quoi? Je prends ça. Est-ce que ça marche la boule de feu? Je vous demander. Ah non, ça marche pas. Ouh! This girl is effectively on fire. Ah, le skill tree. Ça va être important parce que lui, on a le droit de l'utiliser selon les règles du concours. Et du concours. Oui, si je fais un concours, le premier qui bosse ça, il gagne une Switch. Mais je vous donne pas ma Switch parce que j'ai pas d'argent. Ah. Excusez-moi, je vous l'avais dit tantôt que les chemins allaient être bloqués en plot twist. J'espère que je vous ai pas trop spoilé. Metal Sonic, c'est un jeu Nintendo. Est-ce qu'on essayerait pas Chic? On l'utilisera pas du truc. Elle est quand même belle, hein? On va peut-être utiliser le noir parce qu'elle est edgy et elle a envie de se suicider parce qu'elle est rendue crissement mauvaise comparée à l'autre jeu. Quand est-ce qu'un jetpack, hérisson? Hérisson de métal? Non, reviens ici. Backkick. Oh, Bouncy Fish. Comment ça s'appelle cette attaque-là? C'est pas genre le Bouncy Fish quelque chose? Ou c'est le flip kick de patente? On va le faire fondre puis on va te transformer en métal. Ouais. J'ai cherché une joke mais je l'ai pas trouvé. On est. Oh, le combo! Oh, oh non! Oh, tu veux péter ma bulle? Prends-toi la magie de l'homosexuel! Je dois pas rentrer là-dedans, sinon je vais me faire défoncer. Prends-toi la magie des petites étoiles et du bonheur! Voilà, ça passe mieux, c'est plus edgy, c'est moins edgy, c'est plus politically correct, là, la patente. Il faut tout respecter parce que sinon, là, les gens sont comme « Ah, c'est pas... t'es pas gentil, t'es antisémite, alors qu'antisémite, c'est avec les juifs, ça n'a aucun sens, anyway! » Non. Et voilà! Donc j'espère que vous avez bien profité de Chic parce que c'était la première et la dernière fois que vous allez l'avoir. C'est dommage, hein? Ok. Si vous mettez 50 likes à la vidéo, on va peut-être pouvoir la rejouer une ou deux fois de temps en temps. Psychrog. Ça c'est le... Battez le combattant principal. Oh fuck. On va aller Mario vu qu'il y a son attaque avion là, tu sais, où est-ce qu'il fait spinner la personne, puis là il frappe les gens autour, tu sais, c'est pas bien Mario de frapper les gens. Je sais que c'est compliqué tous les jours, tu sais, d'écraser des choses, de tirer des trucs, d'aller jusqu'en enfer pour aller battre un dinosaure et juste recevoir un bisou. Mais c'est pas bien de frapper les gens Mario, faut faire attention à ça. 60%. Tout va bien. Ah non. Ah! Ruée de Yoshi. Bon, j'ai pas le temps de les. Pac, pac, pac. Tac, tac. Bon ben, on a la stratégie, hein. Approchez-moi pas, je suis un plombier puis j'ai pas peur de l'utiliser. Au! Laissez-moi tranquille, je paye mes impôts. Mais j'ai pas d'impôts parce que je travaille pas, mais je paye mes impôts pareil, ok? Ben, je vais les payer. Mais pas pantoute, là, parce que je suis mort, mais... Au! Non, non, si tu me drilles, ne me drille pas. Il y a juste Kirby qui a le droit de driller dans la vie, c'est connu. Laissez-moi tranquille. C'est qui le combattant principal, en fait? C'est qui? C'est juste lui qu'il faut battre. Ok, c'est Dr. Mario qu'il faut battre. Pourquoi je dis comme si quelqu'un m'avait dit quelque chose? Au! Putain, je le fais combo par des CPU! Attraper la matéria. C'est quoi un matéria? Un matériau? Un matéria? D'invocation pour faire apparaître des êtres puissants susceptibles d'influencer ta mère. Oh, sacrement. Time to go Kirby. Si le commentaire principal, si je le vois pas. Ok, c'est Dr. Mario le commentaire principal. Ça devrait pas être un trop gros problème vu qu'il revient pas. Donc on va juste... On a juste besoin d'une bonne shot et ça devrait être réglé. Allez, on prend ça. Qu'est-ce que j'ai eu? Oh fuck! Il me faudrait Ike pour faire cette job là. C'est juste genre toutes les knock-outs d'une shot là. Oh, ça serait le fun d'avoir Ike. Let's go! Vous l'avez dit, on va pas pouvoir tout outplay les gens. Il faut juste
et uniquement cheese déjà. Cheese, pensez au fromage. Pensez comment est-ce que je peux être une très mauvaise personne dans ce jeu. Bon ben, on vient d'enlever un petit peu plus de fog war là, ou nuage de guerre ou petit nuage mignon qui nous empêche de voir et donc qui fait légèrement chier. Et je pense que ça va être tout pour cette vidéo car on commence déjà à voir un petit peu beaucoup de trucs. Donc comme vous voyez, on a déjà avancé une couple de trucs et on se retrouvera donc dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous aimez à partager et à faire toutes les choses que tous vos YouTubeurs préférés vous disent déjà de faire. Car vraiment, avec 12 abonnés, j'irai pas loin. C'est vraiment le moment où est-ce que ça serait intéressant de monter et pas quand j'en aurai 15 000 où est-ce que là, toutes les choses vont se faire naturellement. Le plus dur, c'est parti et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Sur ce, c'était votre poteau Tom, aka celui qui pense encore que le Père Noël existe. Quelle personne n'existe pas? Merde, j'ai encore raté ma blague. Un jour, je vais arriver à faire de l'humour. Laissez-moi une chance, je vais travailler un petit peu mon humour. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.